Télévision nationale d'Haïti, nous toujours dans la cité l'indépendance là pour dernière étape, journée commémoration, fête indépendance PIA, journée commémoration 215 l'année indépendance pays d'Haïti. Nous sommes là, bien bonheur matin, sous place d'Am Gonaïve, là, dans le moment président de la République, Jovenel Moïse, première dame, premier ministre Jean-Henri Séan, membre cabinet ministériel, au commandement la police, au état-major force armée d'Haïti et l'autre commis dans l'état. Eh bien, qui était sous place pour recevoir le président avec hymne présidentiel dans le premier temps. Dans le deuxième temps, c'était hymne République d'Haïti à la Dessalinière avec fanfare au Palais National. Là. Et tout de suite après, il s'est le drapeau. Là. Et sitôt que le drapeau a été fini, le chef de l'État avec l'autre officiel qui accompagne Lyo, il a fait un dépôt de gerbe en bas monument Jean-Jacques Dessalines qui érigé sous place d'armes Gonaïves. Là. Après, nous avons pris la direction cathédrale du souvenir. Ou encore Saint-Charles-Borromée pour messe suivi de Tédéum traditionnel. Et pourquoi elle est là? Nous retournons sur place là. Et c'est là qu'on suit sous écran défilé. On nous dit avec en pile unité dans le PNH, mais tout, soldats, force, l'armée, pays d'Haïtien, cap défilé. On nous dit avant discours officiel, puisque le président Jovenel Moïse va gagner pour l'adresser la nation à l'occasion 215 l'année PIA, 215 l'année indépendance pays d'Haïti. Et il faut que nous tous nous souligner, magistrat, principal, Ville Gonaïve, on va gagner tout pour le parler. Là, c'est pour l'occasion pour très certainement chef d'État retourner sous Pouest, dans cette nuit, sous l'étape qui était franchie pour arriver à l'indépendance. Mais tout annoncer qui ça est grand dossier pour aller pour Anessa, grand chantier pour aller pour Anessa, qui ça, n'est-ce pas vrai, en termes de stratégie gagnée pour arriver à aborder. Grand problème pays a fait face journée aujourd'hui, surtout l'on connaît, là c'est à une année électorale et nous connaît généralement une année électorale, pas toujours facile. Et là, très certainement, pays a prétendu qui ça en termes de message, en termes de réponse par rapport à la solution, en termes de grande annonce pour l'année, qui ça va lier dans le cadre de message, chef d'État Jovenel Moïse Balguin pour prononcer d'un moment à l'autre et Sabine Jean-Étienne, TNH, pour permettre de vivre en direct, dernière étape dans le cadre de cérémonie aujourd'hui. Effectivement, Lindor, c'est année 2019 là, c'est vraiment une année qui m'a demandé un pile courage bon côté autorité haïtienne yo, mais courage tout bon côté population haïtienne là yo même qui a bénéficié de tout travail qui t'a dû faire pour année 2019 là. Alors nous t'es sautandé en partie dans homélie circonstance là avec monseigneur Yves-Marie Péan qui lui-même t'a expliqué dans homélie année 2019 là, c'est une année tout à fait spéciale, c'est une année de consensus lié. Et il était formulé souhait que Haïti a avancé, a fait des progrès sociaux, économiques et que chaque autorité et chaque grand citoyen dans le pays a pris responsabilité pendant l'année 2019. Là. Les dors au deal, c'est une année pour préparer l'élection, c'est une année en pile défi, c'est une année pour projet atterri. Un paquet de projets, c'est une année Haïti qui était déjà en chantier depuis arrivé président Jovenel Moïse au pouvoir. Donc c'est une année pour continuer de l'autre côté, l'autre étape qui peut être franchie pour franchir. Spécialement ici là dans Ville Gonaïve, il y a un paquet de projets qui supposaient et abouti déjà. Les nous garder et pompe travail qui vient pour faire dans le domaine agriculture, travail qui vient pour faire dans la question sécurité, travail qui vient pour faire dans l'infrastructure routière. Donc il y a un ensemble de travail qui est en cours, par exemple, et réparation 39 pompes qui t'a supposé irriguer 10 000 hectares de terre dans Gonaïve. Là, nous gardons des projets de réhabilitation urbaine qui gagnent là dans une réparation environ 10 km route. Là, nous gardons des travaux, infrastructure qui déjà commencé dans le quartier Raboto, dans la rue Antenor Firmin, dans la rue 3 prolongée.
C'est tout un ensemble de défis qui attend l'administration Moïse Seyan pour l'année 2019 là, à différents niveaux, pas seulement dans la ville Gonaïve, mais dans différents coins pays d'Haïti, côté caravane changement a commencé le travail déjà. Donc c'est un ensemble de travail qui vient pour faire et pour travailler ça au fait. Justement, il faut avoir un climat favorable à travailler ça. Pour gagner la paix, il faut gagner la paix dans le pays d'Haïti, il faut l'école fonctionner, il faut le travail fonctionner, il faut que les gens capables de prendre la rien pour mener l'activité normale chaque jour. Donc, année ça, c'est une année, et pour nous répéter, Monseigneur Payan, c'est une année de conscience collective. Tout. Pour tout le monde prendre conscience et chaque monde assumer responsabilité ou dans la tâche qui concerne nous. Oui, et année ça, tout, tu as dû permettre dialogue qui a clashé en 2018 là, arrivé dans le bout de lit. Bon, je reste. Par rapport avec le problème qu'il y a à la conjoncture. C'est vrai qu'un peu le monde croit, un dialogue qui est permanent, qui a dû aider nous déboucher son véritable projet national, qui a tenu compte de l'ensemble de gros défis qu'il y a à santé, qu'il y a à éducation, qu'il y a à économie. Hein, à travers le projet ça, pour finalement, ensemble d'acteurs, bien ensemble d'élites, finalement dit qui ça n'a pas payé ça, qui route n'a pas payé ça, qui grand orientation la paye n'a pas payé ça, qui vient nous voulait répondre à gros défis que le pays a pu vivre jour et jour. Alors là, c'est quand même un élément que nous n'avons pas capable négliger hein, pendant l'année 2019 là, qui fait que démarrer et on n'a pas souligné pour téléspectateurs et téléspectateurs. Déjà, il y a une question pacte de gouvernabilité à qui on nous dit sous table là. Premier ministre Jean-Henri Séan, on a une discussion littéralement avec plusieurs acteurs et gagné, n'est-ce pas vrai, en pile. Un acteur Sao qui commençait à approprier selon information la primature a communiqué par rapport à document ça, pacte de gouvernabilité ça, qui t'a dû permettre, gon Jean-Sabine t'a souligné lien, gon certaine stabilité, sinon stabilité certaine, pour aider nous à attirer investissement, qui t'a qu'à permettre que nous créer richesse, et là ça, n'est-ce pas, gagne un ensemble de gros problèmes qui capable plus ou moins résoudre, et là ça, n'a pas capable d'arriver vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Parce que c'est ça les ancêtres nous avons voulu. Les ancêtres nous ont battus pour un bout de terre. Ça, c'est pour les gens qui sont capables de vivre bien là-dedans. C'est pour sentir bien là. Il faut que ce soit un terre qui a couru des gens. Il faut que ce soit un bout de terre côté nous sortir sentir en transit. Il faut que ce soit un bout de terre côté pas arriver à accomplir destinée, pas arriver à répondre à besoin, pas arriver à répondre, n'est-ce pas vrai, à ensemble d'obligations que fait face chaque jour qui joue. Alors là maintenant, Jean, vous avez souligné la Sabine. Il faut que les conditions soient réunies, pour les problèmes soient arrivés posés, pour les défis soient arrivés adressés, il faut très certainement qu'on ait une certaine stabilité. Et stabilité, ça, il n'y a pas l'autre route qui vous mène à la c'est chemin dialogue-là. On souhaite 2019 là, ensemble d'acteurs, arriver à faire un certain dépassement, ou un dépassement certain, qui t'a permettre que, au-delà de chapelle, au-delà de clivage, au-delà de l'idéologie, au-delà de conviction, n'est-ce pas vrai, ils mettent ensemble pour que nous dégagions un projet commun et laisser à tout petit pays hein, capable de fier. Et à ce niveau, les ancêtres nous ont tout à fier que nous avons ben nous qualité héritage ça et n'a pas plus ou moins répondre, n'est-ce pas vrai, à ça que vous souhaitez faire l'heure de bataille 19 novembre 1803 pour arriver à la proclamation indépendance pays le 1er janvier 1804. Justement, il y a tout un document très important qui commençait à élaborer en 2018, qui est arrivé dans la phase finale, année ça, qui c'est PME 2018-2023, PME qui c'est programme modernisation et l'État pour l'année 2018-2023. Et dans le projet ça, dans le document ça, justement, il y a tout un ensemble de services que le président de la République a mis accent. Population a besoin plus de services. Population a besoin pour l'État avancer plus près toujours. Et le président de la République a toujours mis accent sur ça. Donc, l'année 2019, là, c'est l'année concrétisation, c'est l'année pour document ça, lui-même rentrer dans la phase réalisation à travers tout un ensemble de travail qui commence à faire, qui pour finir. Des travaux qui ont commencé à faire en 2018 et pour permettre que la population en jeune plus de services. Et le président de la République a mis accent sur ça. Donc, la coupe présidentielle là pour le moment, ils ont trouvé dans la mairie Ville-Gonaïve pour rallier en souffle. Et dans un petit bout de temps encore, il y a pour rejoindre l'autre invité sous tribune. Et d'après l'information que nous avons joué au niveau protocole, là, tu as supposé gagner deux discours officiels dans la cérémonie. Ça, qui c'est d'abord discours magistrat, premier citoyen Villa, Nel La Tortue. Et en deuxième position, président de la République, là, discours. Et non seulement nous connaissons l'occasion, 1er janvier, au discours qui a un rapport avec la fête indépendance, là, de commémoration 215 de l'année indépendance pays. Il y a un discours qui a centré sur bilan et perspective, bien entendu, sur tout ça n'a pas parlé de là-haut, sur le travail qui vient pour faire, sur le travail qui commence à faire déjà
côté difficulté ou yé, et qui bon tout et Haïti pral gen pour avancer dans série de projets clés. Vous avez parlé de PME et oui, qui t'a de commencer à projet ça implémenter pour document ça et c'est l'OMRH, l'Office Management de ressources humaines d'Haïti qui pral gen pour assurer que ensemble d'éléments qui en dans PME arrivent atterrir en dans institution yo et j'en t'a dit l'idée c'est bail service, l'idée c'est renforcer institution l'état yo. L'idée, c'est que l'institution arrive à répondre à la mission yo, en bonne et due forme. Télévision nationale d'Haïti, en direct de la ville de Gonaïve pour 1er janvier, ça, 1er janvier 1804, 1er janvier 2019, 215 l'année. Depuis cette nuit, nous avons ça. C'est un véritable retrouvaille, un moment de retrouvaille chaque année. C'est tout un véritable moment de réflexion pour nous voir. Ouais, qui côté nous y est par rapport avec l'idéal des Salignans, par exemple, par rapport avec l'idéal des ancêtres, nous y est, par rapport avec, n'est-ce pas vrai, grand problème que les ancêtres nous ont arrivé à adresser dans la période-là. Est-ce que nous avançons ou est-ce que nous pas avançons? Pourquoi je dis à cet adoué vraiment bon prétexte pour que chaque acteur, élite nous y est, politique, économique, religieuse, intellectuelle, garde aujourd'hui à pour est-ce que nous arrivons garantir un minimum de mieux-être à la population. Est-ce que ensemble de les services sociaux de base arrivent à atterrir dans divers coins, dans divers recoins d'un pays? Alors c'est tout ça chaque fois 1er janvier arrivé qui t'a doué, n'est-ce pas vrai, attirer nous et bien interpeller nous pour que finalement nous arrivions à construire un pays, nous arrivions, n'est-ce pas vrai, et rebâiller jeunes l'espoir, n'est-ce pas? Et aux États-Unis, on parlait du rêve américain. Pour que ça tourne, peut-être que gagner le rêve haïtien, construire finalement le rêve haïtien, là, ça, n'est-ce pas, ensemble de petits pays, on est capable de retrouver, pour que chaque monde dans ce pays fait ça, il doit faire, n'est-ce pas, et puis pour que nous répondions tout bon vrai à ensemble de problèmes, à ensemble de difficultés que la majorité a fait face journée, jeudi. Télévision nationale d'Haïti n'a pas prêté rien. Dans la cérémonie, ça, une cérémonie qui t'a mené, on nous dit depuis bien bon matin, sous place Dame Gonaïve là. Et Kounia, nous retournons sous place là encore, puisque Jean-Sabine d'a souligné lien, pour gagner un discours officiel. Et ces deux discours, selon information, la présidence t'a communiqué, le discours du maire principal de la ville, M. Nel Latortue, et qui a gagné après le discours du président de la République, Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, qui a gagné pour adresser la nation. Déjà, bah, on a idée de à qui ça nous attend nous pour l'année 2019. Nous disons une année grande pile de figues, ensemble de dossiers qui étaient déjà en cours en 2018, qui pourraient certainement à poursuivre. Là, il y a un coup de compte qui t'a dû remettre rapport par rapport au dossier Petro-Caribé. Il y a une question élection qui t'a dû au rendez-vous au niveau de l'année ça. Ou t'as pas été là de lancement, mais pour commencer à implémenter PMEA avec bien entendu l'OMRH. Vraiment pile gros défi qu'après tant nous. Je dis à une question. Et tout change là, qui c'est quand même qui suscite un pile préoccupation, bien des dispositions que tu as mérité à prendre par rapport à ça. Et là, vraiment, c'est vraiment une année qui paraît décisive. Et par rapport à la question de dialogue là, arriver maintenant à créer conditions pour que acteurs Yoshita, pour que acteurs dégagent un minimum de consensus, Jean, Monseigneur Pierre Abdil Romélia, là encore, sur notre défi qu'après nous, parce que de toute manière, il faut que nous parlions, puisque nous sommes haïtiens, au-delà de. Même si nous ne parlons pas aux mêmes gens, même si nous ne comprenons pas les mêmes gens, mais Haïti doit être devant dans toute action que nous avons posée. Les ancêtres, nous n'avons pas avec la qualité de bataille, ça a été mené. Ils veulent mettre en déroute la plus grande armée de l'époque. Je veux dire, parce que c'est nous qui l'avons, un minimum, un certain dépassement que nous avons besoin de faire pour que Boutessa, l'Irivé reprenne place, si tout bon vrai dans le Conseil des Nations. Même Jean de Rivé en 1804, liberté, toute sale gagnée, je veux dire. Toute la liberté, je veux dire, c'est parce que la révolution a été faite ici à là. Je veux dire, nous sommes capables de tout faire pour nous comprendre que gagner un groupe d'Haïtiens, gagner des Haïtiens qui soutiennent ça, qui décident finalement de prendre destin en main pour nous adresser les problèmes, pour nous changer la réalité, frère nous et pour nous arriver à un pays qui est digne, un pays qui est fier de lui, un pays qui a l'espoir à jeunir, particulièrement Sabine Jean-Étienne. Oui, c'est un ensemble d'éléments que. Population en pralguin ensemble pour et mettre main ensemble pour permettre que et 2019 là Haïti qui déjà gagné tout projecteur braqué sous lui fait un pas vers l'avant parce que là tout à l'heure et dit très bien c'est une année décisive côté c'est année de toutes les, c'est l'année de toutes les décisions donc et pour ça faire dialogue là nous pas c'est pas un bagage qu'a imposé monde nous pas qu'a dit que dialogue là l'a réussi mais son souhait que lié
Et c'est meilleure voie ça qui est bon pour la population haïtienne, non? Mais pas toujours facile. Si nous prenons exemple Jean-Jacques Dessalines, avec l'autre héros qui a bataillé pour l'indépendance du pays d'Haïti, pour qu'il ait sorti depuis la bataille vertière, pour qu'il ait arrivé, fait toute lutte qu'il a fait pour arriver à 1804, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il a toujours entendu? Nous ne connaissons pas. Il n'a pas toujours entendu, ce n'est pas toutes les fois qu'il a entendu, mais quand il s'agit d'Haïti, quand il s'agit pour te faire, il y a un mouvement pour mouvement, te marcher, tout le monde te mette ensemble. Ça a quelques jours et nous avons regardé dans quelques documents, soit pour reviser l'histoire et pays d'Haïti qui s'est passé dans l'époque. Ça, Jean-Jacques Dessalines, pas pour contre lui, ce n'est pas seulement Biassou, ce n'est pas seulement Toussaint, ce n'est pas seulement une série, l'autre soldat, l'autre gros nègre qui était avec lui, ce n'est pas seulement Capoise, mais c'était tout un paquet de monde, t'es un civil tout. Là, nous regardons, t'es 100 000 volontaires. 100 000 volontaires. Donc, ce n'est pas monde qui touchait l'argent. Ce n'est pas soldats, c'était uniquement des civils. Et pourtant, ils étaient collés à côté de 60 000 soldats. Mais ils étaient autant de monde, t'es plus de monde toujours. Si t'es 60 000 soldats, t'es 100 000 civils volontaires. Donc, c'est un gros mouvement. Et dans toute recherche, on a fait documents, on dit. Eh bien, c'était le premier gros mouvement noir qui était fait, qui était réussi. Et réussite là, il était mené à résultat, ça a célébré aujourd'hui à l'indépendance du pays d'Haïti. Donc, c'est des mouvements qui valent la peine. Le pays d'Haïti, aujourd'hui, a besoin en prise de conscience, parce que le pays d'Haïti doit avancer. Le président de la République a répété tout le temps, le pays d'Haïti n'a pas continué à faire fond toujours, il a besoin d'avancer puis devant. Donc, ça, son constat, ce n'est pas lui-même seulement qui fait. C'est en pile monde dans la population qui fait constat ça, le pays d'Haïti besoin avancer. Nous pas qu'un seul pays dans Caraïbes là, côté dialogue impossible. Nous pas qu'un seul pays dans Caraïbes là, côté on série avancée parfaite. Donc l'important journée jeudi à pour et dialogue là de tourner en réalité et pour tout le monde prend responsabilité pour zone pa yo. C'est pas seulement la toute responsabilité à sous de l'État, sans pas poser question citoyen yo tout qui rôle rien pour jouer dans Haïti, ça tout le monde besoin journée jodi a. Donc nous pral gagner pour nous entendre avant longtemps discours officiel yo à partir de discours ça yo et pral gagner des débats qu'a fait pral alimenter ça discours yo pral alimenter l'autre débat et pendant année et côté décision yo a prendre tout et côté des moun a parler a faire débat politique des étudiants à parler toute couche dans la société a et bien discours ça pour elle gain des paroles qui sorti dans yo et moun yo a suivre pendant toute reste année pour garder qui ça dans yo qui réaliser qui ça côté pour faire bien entendu Sabine et pour nous arriver à 1er janvier 1804 nous t'est passé par 10 novembre 1803 quand moun ka poser question dit après bataille là nous t'est capable de proclamer indépendance mais dans ça tout est choisi pour rendez-vous 1er janvier premier jour dans la et même bien avant Bois Caïman. Oui, passé par Bois Caïman tout. Absolument, mais bataille décisive là, dernière bataille là, c'était quand même le 18 novembre 1803. Bataille de Vertière. Absolument, et là 1er janvier 1804, ancêtres ont été rendez-vous ici à Gonaïve pour proclamation officielle indépendance pays là et là on a commémoré 215 années depuis geste ça a été posé. Là on fait encore on a souhaité tout le monde bonne fête indépendance quel que soit à côté. Je ne pas suspendu depuis les retransmissions ça l'y lancé. C'est à doué vraiment aujourd'hui à un moment de grande réflexion pour nous garder nous pour nous voir qui ça n'a fait à pays ça qui direction à Bali qui route nous voulons Bali qui grand ça qui ça ça t'a grande orientation à un certain moment et tout près là quand nous là en République dominicaine ben élite était chita. Ils ont discuté, ils ont mis d'accord sur un document qui est la volonté de la nation, la volonté de la volonté nation. De la nation. Et puis qui permet que grand chantier ait été abordé, gros problèmes ont été posés, et un document sous base 25 ans, qui fait aujourd'hui. Et la carte et tout le résultat, ça va être. Exactement. Maintenant, nous connaissons effectivement, j'en ai souligné, le vivre ensemble est fragile en Haïti, mettre ensemble, ça va être très difficile. D'ailleurs, moi, c'est un pays en deal dans Omélia, il y a un pile méfiance. Nous suspendons faire notre confiance. Dans le message conférence épiscopale pour aller se passer, il était clair que faut que nous arrivions à établir un pacte de confiance. Confiance à tous les niveaux qui pourrait faire que les nous baillent parole, nous l'autre prend parole là au sérieux, mais tout nous engager pour nous respecter parole là et qui pourrait permettre que finalement, résultat escompté, rivé abouti, résultat escompté, rivé atterri, dans l'intérêt, bien entendu, de la grande majorité, dans l'intérêt, on nous dit, population. Dans l'intérêt de la population haïtienne. Alors, nous avons souligné pour les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti,
Et je dis à moi, il est fondamental parce que chaque monde dans le niveau paio, chaque monde dans la sphère paio doit travailler pour que la paix ça que commencer un pays à parler, sérénité ça, confiance ça, n'est-ce pas, progrès ça, développement ça, li tourner en réalité. Et là ça c'est pour nous tous. Là bon, le pays a marché, les richesses qu'a créé, l'on capable attirer investissement étranger là-dedans, les monde capable circuler libre, les ensemble de problèmes rivés résoudre, l'ensemble de problèmes rivés adresser, les ça c'est grande majorité qui va profiter de lui, les ça tout c'est le pays, n'est-ce pas vrai, qui va reprendre place si je ne pas suspendre dans le Conseil des Nations. Et moi c'est à dire tout haïtien que dans le pays a que à l'étranger, l'idée pour que nous rejoignions Haïti qui fier, un Haïti qui dit, un Haïti qui répond effectivement à qu'aucune chaîne de bataille qui était menée en 1803 et qui t'a abouti à proclamation indépendance le 1er janvier 1804. Une fois encore, bonne fête d'indépendance, en pile courage, en pile remède, en pile santé, hein, en pile compréhension une pour l'autre, en pile sérénité pour nous capables, puis certainement, gagner une fructueuse année, une année qui t'a qu'à grand pile prospérité pour toute fraction nous, notamment pour téléspectatrices et téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, mais toute l'autre station de télévision qui relayait TNH, bien Radio Nationale, dans le moment où on a parlé à Sabine Jean, depuis Gonaïve. Oui, Gonaïve, qui j'en levé probablement, et téléspectateurs ont posé question. Gonaïve, il y a une ambiance de fête dans le moment où on a parlé là. Et ce n'est pas seulement matin, mais pendant toute semaine, il y a l'autre activité dans Gonaïve. Hier soir, il y a un festival et il y a un paquet de groupes qui étaient affichés, activités, affichés, programmes hier dans Gonaïve. Là, on a parlé de fête indépendance pays d'Haïti. Puis, moun yo pense, puis grand pile moun pense que c'est seulement en Haïti fête la fête. Mais Haïtiens qui tout partout dans la diaspora, tout, nous disons bonne fête indépendance pays d'Haïti parce que Haïtiens sa yo qui dans la diaspora, yo même tout yo travaille en pile pour yo jouer partition pa yo en Haïti, yo représenter yon gros morceau dans économie haïtienne nan. Haïtiens yo dans la diaspora chapeau bas parce que jusqu'à présent, c'est yo dans secteur qui aide en pile à développement économique pays d'Haïti. Il y a des projets que l'association diaspora yo et yo même y a exécuté tout en Haïti dans ces villes provinces n'aller, nous des projets, c'est diaspora qui a fait yo. Donc jusqu'à présent, c'est très bien et année 2019 là encore Haïti compte sur compatriotes qui dans l'autre pays, compatriotes qui compte bail gros coup de main dans une série de projets sociaux qu'a fait ici là en Haïti. Eh bien, nous prenons pour une petite pause hein, avec Studio Delma 33. Le temps, président de la République, Jovenel Moïse, première dame, non, premier ministre, de même, il prend place sous tribune, la tribune qui est érigée dans l'occasion pour le discours officiel. Il a souligné, sans nous constater, célébration jeudi, commémoration de 115 d'année, il déroulé en présence du président, bien entendu, première dame, premier ministre. Vous remarquez toute présence président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et des parlementaires, vous remarquez deux, et dans le parlementaire la Tibonitio, sénateur Kalmoura Kantav, sénateur Garça Delva, député Ville-Gonaïve-La, député La Tortue, il y a de l'autre sénateur et qui sont dans l'autre département qui est même présent, sénateur Sud, François Sildon, sénateur Nord, Naoud Marcellus, que vous remarquez qu'il a. Président Sénat République, Joseph Lambert. Président Sénat, Joseph Lambert, président Chambre députée à Gary Baudot, et député Kerskofla, vous remarquez présence-ci, et on a parlé de député Alfredo Antoine. Et puis, sans pas oublier, directeur général, ministre et plusieurs membres de la Corps diplomatique là, qui sont même présents ici à la Cité de l'Indépendance, dans l'occasion de 215 années d'indépendance pays d'Haïti. Puis là, et plusieurs membres de la population qui massaient, qui prétendent bien entendu arriver, chef de l'État, pour dernière étape. Journée 1, et puis sans pas oublier tout, la police qui est très présente, hein, surtout toute route qui mène à Gonaïve là, un dispositif de sécurité qui est établi pour permettre que l'activité déroule comme ça doit. Et sous site là, tout cap accueilli événement, la police est très présente, vous remarquez tout, présence soldats et force l'armée d'Haïti, d'ailleurs, ou état-major, force l'armée qui est présent dans l'occasion à côté au commandement PNH là. Qui a participé dans la cérémonie. Alors, Sabine Jean-Étienne, Jean-Régis, on m'a dit nous, on a parlé des studios d'Elma 33 pour reprendre l'antenne. Sitôt que tout le bagage est paré, on a retourné de telle sorte qu'on est capable de faire tout le monde qui a suivi nous vive en direct depuis Gonaïve. Discours magistrat principal Villan, discours président de la République, Jovenel Moïse. À tout
Téléspectatrices et téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, bonjour. Premier jour de l'an, 1er janvier 2019. Déjà, bonne et heureuse année à nous toutes qui suivent Télévision Nationale d'Haïti. Et là, matin, nous en direct de la ville des Gonaïves, la fière cité de l'indépendance, côté nous pourra permettre de suivre ensemble diverses étapes dans le cadre de cérémonie qui a marqué 215 années d'indépendance au pays d'Haïti. 1er janvier 1804, 1er janvier 2019. 215 l'année déjà, et là, Télévision Nationale Haïti, fidèle à Mission Ligne, nous déjà sur place, et là, et plusieurs étapes, hein, très certainement, pour le marquer, journée ça, une journée de commémoration, journée de célébration, journée qui va permettre de nous retourner sous ensemble, effort que les ancêtres nous ont consenti pour arriver à nous goûter ça. C'est vraiment un bon prétexte pour nous voir qui ça nous fait avec héritage ça. C'est vraiment un bon prétexte pour nous voir nous. Je dis par rapport avec gros défis que nous devons lever, c'est prendre un gros prétexte pour nous garder comment nous prendre garantir un minimum de bien-être à réaction nous dans l'occasion ça et particulièrement pendant l'année 2019 là. Nous saluons tout le monde à la Wanda, quel que soit que toi suive nous, et merci déjà à toute station de radio et de télévision qui choisit relayer Radio Télévision Nationale Haïti. Et là nous partons pour journée ça, journée 1er janvier 2019 là. Ici à la ville Gonaïve, Sabine Jean-Étienne avec moi pour retransmission matin. Sabine, bonjour, déjà bonne et heureuse année 2019. Bonjour Jean-Serge Nolendor et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti qui branchez nous à l'ESA. Nabdi population haïtienne, heureuse année 2019. Et collègues de travail nous, proches nous, tout le monde qui toujours supporte Télévision Nationale d'Haïti. Alors, et Lendor dit déjà, nous là, dans un gros rendez-vous annuel ça, chaque 1er janvier, ici là, dans Gonaïve, cité indépendance là, c'est la gros rendez-vous annuel là fixé. C'est là même, côté nous trouvons nous couliers en direct, sous place d'Amnan. Acte indépendance là, c'est sien. Côté nous connaît, rendez-vous ça, personne pas caratel, autorité ou yo déjà là. En gros, comme un journée après le gain pour le passé, président République là, pas loin pour le river, dans le moment où on a parlé là, président République là, pour le gain pour le venir sous place d'Amnan, côté nous y est là, dans le premier temps, pour le recevoir, hymne présidentiel, et tout de suite après, pour le gain, hymne national pays d'Haïti. Pour aller gagner en troisième position en dépôt de gerbe et probablement président République là a gagné pour aller dans mairie et sinon président République là pour aller directement dans l'église Saint-Charles Gonaïve côté pour aller gagner messe action de grâce suivi de tédéum et finalement président République là a gagné pour le délivrer message li à nation hein, et tard le comme ça tout de suite après messe action de grâce la population pour aller gagner pour tendre vœux président République là et qu'on ait tout qui ça li gagné dans Diakout li pour année 2019 là. Alors aujourd'hui là Sabine Jean-Étienne son cérémonie qui gagne plusieurs étapes, je souhaite souligner d'ailleurs pour toutes les spectatrices et téléspectateurs qui suivent Télévision Nationale d'Haïti et la sous place d'Am Gonaïve là et c'est la journée en lui-même qui va lancer avec bien entendu arriver divers officiels notamment le président de la République Jovenel Moïse qui a bien sûr accompagné de la première dame Martine Moïse et du premier ministre Jean-Henri Seyan mais déjà les réalisateurs nous capables de mettre un monument et plusieurs autres officiels de l'État qui déjà prend place, et des membres du cabinet ministériel, ou état-major, et on dit des forces armées d'Haïti, ou commandement police nationale d'Haïti, hein, et en pile le directeur général, yo déjà est sur place dans l'occasion ça pour marquer 1er janvier 2019 là, ici à la ville Gonaïve. Sabine Tézil, c'est un rendez-vous traditionnel, c'est un rendez-vous annuel, et c'est pas seulement n'est-ce pas haïtien qui dans le pays qui a parlé de ça, mais c'est haïtien tout partout, puisque c'est fête d'indépendance là, et c'est ça qui fait tout. Nous pas doué rater l'occasion pour nous souhaiter bonne fête d'indépendance à tout le monde qui a pu suivre Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Et j'en ai dit dans le commencement de votre transmission, à un moment ça, date ça, pour aller de nous retourner sous pouet ça, sous gros effort ça, sous aucune chaîne de travail, sans cette nouveauté bail, qui arrive fait pour permettre de nous gagner goûter ça. Et là, président Jovenel Moïse, première dame République Martine Moïse, premier ministre Jean-Henri Seyan, il a pu arriver ici à là, sous place d'armes Gonaïve là, des salutations d'usage. Et j'en ai déjà précisé le Sabine en plein officiel, plusieurs ministres nous ont remarqué. C'est honneur présidentiel là. Mm-hmm. Voilà, et là maintenant c'est l'hymne présidentiel avec fanfare, palais national, pour lancer journée 1er janvier 2019. Ça, Télévision Nationale d'Haïti, nous en direct.
Voilà, hymne présidentiel là, hymne présidentiel là qui très certainement salue arrivé président Jovenel Moïse, première dame là, Martine Moïse, et la quoi elle est là, et des salutations d'usage, Sabine Jean, puisque c'est le premier jour de l'an, c'est bon moment pour une fête des souhaits, des vœux, dans l'occasion nouvelle année ça a. Et c'est pas seulement ici à Abguéen et mode pratique ça, c'est parce que dans tout le pays, et on dit tout côté sous la terre bénie, tout le monde a eu une après l'autre, une après rencontré l'autre pour saluer et souhaiter à Nessa les plus bons par rapport à l'année qui souhaite passer. Alors là, président Jovenel Moïse et Premier ministre Jean Rixéa, voilà, qui continue à saluer ensemble d'officiels et ensemble de l'autre autorité qui fait déplacement. L'occasion 1er janvier 2019. Là c'est première étape, Sabine, cérémonie matin. Exactement, Jean-Odile Lindor, premier jour dans l'année, dans tout pays sous planète là, premier jour dans l'année, c'est moment pour faire échange de vœux et pour l'année qui vient. C'est moment tout côté autorité, faire bilan année qui passe et année qui va venir. C'est gros et date ça y est. Et dans chaque pays, mais spécialement en Haïti, 1er janvier, il y a un pile d'importance pour nous, il y a un pile de signification pour nous. C'est date ça, à côté, il y a une grosse révolution qui était faite, qui était printemps 1791 pour arriver 1804. Sorti bois caïman pour arriver ici, là, dans la ville Gonaïve, c'est un pile travail, un pile bataille pour te voyer tout un système pour te chavirer, tout un système d'esclavagisme aller. Donc ça vient mettre un autre accent dans le nouvel an pour nous même en Haïti et cap célébrer et bien date indépendance nous, indépendance première République noire, indépendance sous la terre, mais deuxième état indépendant après les États-Unis, deuxième état indépendant dans l'Amérique là. Donc c'est un gros événement pour le peuple haïtien et pour ville Gonaïve qui lui-même côté sa cité indépendance là, côté c'est là avec indépendance là tessien, c'est là et yo te prend gros engagement désormais pays d'Haïti libre. Et kounya président République là, coupe présidentielle là à Paris pour recevoir l'hymne national. L'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne, dans le moment et drapeau à tapis hissé dans beau ciel à Gonaïve, jeudi 1er janvier 2019. Là. Après l'hymne présidentiel, là, nous souhaitons suivre très certainement l'hymne national, là, enfin par les nationales, sont exécutés. Drapeau à qui hissé, le bleu et le rouge. Et c'était tout occasion pour drapeau Gonaïve, là, tout les hissé sous place d'armes Gonaïve. Là. Et là, et selon ce qui prévoit pour. Première étape, ça, c'est le dépôt de gerbe dans le monument, Papa Nanchon, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, qui très certainement à l'honneur matin, d'ailleurs, il était fait tout ça, il était capable de permettre que Jodian gagne un bout de ça. Leadership, lui, était aidé dans mettre dehors la plus grande armée dans la période ça, l'armée napoléonienne. Là, et tout ça qui vient découler après par rapport avec Moliberté. Divini de aucune chaîne bataille qui était menée ici à ce bout de ça. D'ailleurs, si liberté, vous le dit ça le dit, c'est par rapport avec ben pouvoir ça dans cette yo. C'est arrivé fait le 18 novembre 1803 qui a conduit à la proclamation de l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Et c'est ça qui a fait marquer journée aujourd'hui à la télévision nationale d'Haïti très certainement qui permet nous vivre point par point, étape par étape. Tout ça qu'a fait, et là, c'est des projets là. Le président République, là, Jovenel Moïse, première dame République, là, Martine Moïse, premier ministre Jean Rixéa.
le maire des Gonaïves, Nel Latorsu, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jules Cantave, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Marie Nalogounet, dans son moment de recueillement après des projets d'un pied monument qui est érigé sous place d'Amna, pied monument par Panachon, Jean-Jacques Dessalines. Voilà. Et là, c'est pratiquement, on dit, finissement première étape journée. On a souligné l'étape lancée, retransmission matin. C'est une cérémonie qui a fait diviser en plusieurs étapes. La première étape, c'était sous place d'armes Gonaïve-Lan, place d'armes avec arrivé président républicain, premier ministre et l'autre officiel dans l'État, pour déjà l'hymne présidentiel, l'hymne de la République d'Haïti. Là, on souhaite assister la téléspectatrice, téléspectateur, auditrice, auditeur à dépôt gerbe qui souhaite faire un appuyé monument Papa Nachon qui érigé sous place Dame Gonaïve là, dans l'occasion ça, 215 années d'indépendance pays d'Haïti, 215 années déjà, et là, Haïti, cap paquet d'Atsa, Haïti qui a réfléchi sous ensemble, j'ai force en cette note arrivé faire, Haïti cap gardé, on a privé, n'est-ce pas, pour le développement dans tout l'arc dans le pays, il me songeait, chef l'État, pendant toute campagne, et pendant le président tout souligné, la stabilité, c'est le premier des biens publics, Sabine Jean. Exactement, il y a 215 l'année qui va le dérouler sous ce dialogue, qui va le dérouler sous ce révolution positive. Sa président de la République l'enrelé, il y a une révolution pour changer, pas pour changer le système esclavagiste qui était à l'époque 1804 là, mais qu'on y a une révolution pour changer sous développement, il y a une révolution pour faire tout le monde à l'école, pour faire gagner santé. Donc probablement, discours ça qui centré sur le dialogue, va le présent, la bonne partie qui est présent sûrement dans Omélia. Président République Lantou, dans le discours, il toujours parlé de dialogue parce que dans le moment où on a parlé là, nous sommes faire un gros râle sur ça. Nous connaissons les téléspectateurs à édifier dans la question de dialogue là et avec l'information ça au Lindor. Dialogue là qui est déjà enclenché et l'administration Moïse mettait en pile en phase sur ça. Donc nous allons dans un petit temps tout de suite après ces moments pour nous connaître exactement le concept ça qui est président Welly lui-même qui va jamais suspendre parler de et dialogue, il va jamais suspendre parler de révolution dans le sens positif. Donc nous allons gagner et pour nous gagner toute information sur ça. Certainement dans le cadre discours ça qui est quand même très attendu, mais là, mais cela qui est démarré. On invite les téléspectatrices et les téléspectateurs à suivre ben, et Messa qui a été suivi bien entendu de Télium dans l'occasion 1er janvier 2019. Là.
Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as porté et nourri le Fils de Dieu. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres des différents départements ministériels, Messieurs les secrétaires d'État, Excellence, Monseigneur le Nonce apostolique, Excellence, Monseigneur Yves-Marie Péan, évêque du diocèse des Gonaïves, Monseigneur le Vicaire général, mes seigneurs les vicaires épiscopaux, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique et du corps consulaire, honorables sénateurs et députés, mesdames, messieurs les grands commis de l'État, monsieur le maire de la cité et ses accesseurs, autorités civiles, judiciaires et policières, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, révérends pères, dignitaires du département de l'Artibonite, religieux, religieuses, chers séminaristes, frères et sœurs bien-aimés, en ce premier jour de l'an, jour qui marque la fin de l'octave de la Nativité du Seigneur, l'Église, notre Mère, nous invite à célébrer la solennité de la Bienheureuse Mère de Dieu, celle en qui le Verbe de Dieu s'est fait chair pour élever les hommes à la dignité de Fils de Dieu. Par une grâce singulière, Dieu a fait de Marie le lieu privilégié de son irruption dans notre histoire. Par son oui et selon le dessein de Dieu, la Vierge Marie a parfaitement accompli une fonction suréminente dans l'économie du salut. Aussi, l'Église la célèbre-t-elle comme Mère de Dieu, la nouvelle Ève qui accouche la vie au monde et l'icône de notre rédemption accomplie en son Fils Jésus. Jeudi à tout, nous avons célébré un événement capital dans l'histoire nous comme peuple. Nous avons célébré 215 l'année de Bison 7 nous avons dit non à l'esclavage là et puis t'es réclamé liberté avec la paix pour toute petite fille et petit garçon qui t'a vivre sous Thibauté ça. En lien avec ces deux événements, aujourd'hui nous célébrons également la Journée mondiale de la paix. Car le monde d'aujourd'hui a besoin de former une communauté de frères et de sœurs qui s'accueillent et s'entraident mutuellement, fondement et route irrévocable pour la paix. En cette Journée mondiale de la paix, demandons au Seigneur de faire de nous des artisans et des bâtisseurs de monde où règne la concorde et la paix. Puissions-nous vivre en communion profonde sous l'égide de celle que nous invoquons sur le beau vocable de Notre-Dame de la paix. À présent, sœurs et frères, je vous invite à vous lever en chantant avec la chorale. Pétri de la terre, pour ton merci.
amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tenant de beau sur la terre. Ton nom est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 1er janvier 2019, nous sommes heureux de nous retrouver dans l'enceinte de la cathédrale du souvenir des Gonaïves pour célébrer dans la joie l'Eucharistie, au cours de laquelle nous faisons mémoire de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous la vénérons avec gratitude pour ce modèle qu'elle est pour nous tous, grâce à son fiat dans la foi au dessein d'amour du Seigneur. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ce pays, Haïti, qu'il nous a donné. Alors que nous célébrons le 215e anniversaire de notre indépendance. C'est aujourd'hui aussi que nous célébrons la Journée mondiale de la paix. Avec le pape François, nous prions pour la paix dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, en ce grand jour de l'an,
Nous sommes venus prier Dieu, qui est la source de toute bénédiction. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année écoulée. Et nous voulons lui remettre en toute confiance la nouvelle année 2019. Nous lui demandons la paix dans nos familles, dans notre pays et dans le monde. Nous lui demandons également de nous entourer tous de sa grâce et de nous garder en elle tout au long de cette année nouvelle. Qu'il nous donne d'élargir l'espace de notre cœur vers les nécessités de nos frères et sœurs, surtout des pauvres, des jeunes et des blessés de la vie. Qu'il nous donne de construire la paix chez nous et dans le monde en combattant la pauvreté. Qu'il nous aide aussi à travailler ensemble dans le respect mutuel, dans le dialogue, dans la recherche du consensus qui nous rapproche jusqu'à faire de nos différences notre force, de nos divergences notre richesse. Et maintenant, préparons nos cœurs et tout notre être à célébrer le Saint Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et humblement demandons pardon. Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, du verset 22 au verset 27, le Seigneur donne à Moïse la formule par laquelle le prêtre Aaron doit bénir le peuple d'Israël, peuple élu de Dieu qui connaissait son Dieu par les bénédictions de l'Alliance. Écoutons attentivement. Le Seigneur dit à Moïse, voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que son nom sera prononcé sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Aaron est le Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Nous prenne en grâce. Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Chante la joie, car tu goûtes.
gouverne le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Ensemble, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Bon Dieu voyez celle grande petite lia pour lui capable de délivrer nous en bas pouvoir la loi et puis pour lui faire nous tourner petite dans petite lia. C'est ça nous pour écouter dans lettre apôtre Paul qui saint pour Galatio chapitre 4 prend dans verset 4 rivé dans verset 7. En écouter. Frèmio, le temps rive bout li, bon Dieu voye petite lia qui fait soutenant madame nan, qui fait en bas la loi, pour te capable délivrer nous même qui te en bas la loi, pour nous te capable vin tourner petite adoptif. La preuve nous c'est petite, c'est que bon Dieu voye l'esprit petite lia nan ke nous, la prele Abba Papa. Comme ça, pas gain esclave encore, mais c'est petite qui gagne. Si c'est petite, c'est héritier grâce à bon Dieu. Parole grand maître là. La parole des prophètes s'est accomplie. Aujourd'hui nous est révélé un mystère très grand. Il est né d'une femme, celui qui nous rend fils de Dieu. Une jeune femme a enfanté le roi des siècles. Frères et sœurs, prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile.
remettre la avec nous toutes. Et avec nous-mêmes toutes. Mes bonnes nouvelles, Jésus-Christ, d'après Luc qui saint. Chapitre 2, saut verset 16, rivé verset 21. Laissa, gardien rivé bien vite, juste Bethléem, yo joint Marie ak Joseph, et petit petit là qui posé nan côté zanimo yo kon manje ya. Le yo wè sa, yo annonce parole là, yo te di, au sujet ti petit ça tout le monde qui t'a tendé yo te saisi spécialement au sujet sa gardien yo t'a dit yo quant à Marie li t'a serré parole sa yo li t'a calculé yo nan cœur gardien yo tourné y a fait compliment ak louange pour bon Dieu pour tout ça yo te tendé ak ça yo te wè d'après ça yo te di yo les 8 jours vin passé pour yo faire circoncision ti petit là yo rele non Jésus non ça messager a te bay là avant li te fait nan vente là. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les ministres des différents départements ministériels, Messieurs les secrétaires d'État, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, mes seigneurs, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique et du corps consulaire, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la Chambre des députés, honorables sénateurs et députés, mesdames, messieurs les représentants des grands corps de l'État, monsieur le maire des Gonaïves,
autorités civiles, judiciaires et policières, notables de la ville des Gonaïves et du département de l'Artibonite, révérends pères, frères et sœurs de la vie consacrée, chers fidèles diocésains, frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes rassemblés dans l'enceinte de la cathédrale du souvenir des Gonaïves en ce 1er janvier 2019 pour célébrer l'Eucharistie à l'occasion d'un triple événement. La fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, le 215e anniversaire de notre indépendance et la Journée mondiale de la paix. Je voudrais d'abord vous saluer avec respect et amour, tout en vous souhaitant la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons en effet la maternité virginale de Marie. En adorant dans l'enfant de Bethléem le Fils de Dieu fait homme, nous reconnaissons que Marie est la mère de Dieu. Elle est l'icône de la nouvelle créature, l'icône de l'humanité illuminée par la grâce du Christ. Par son oui libre à l'ange Gabriel, elle est devenue féconde. Et l'humanité fécondée par la grâce de Dieu grandit dans ses convictions et ses capacités. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Chers frères et sœurs, 8 jours après la nuit de Noël, nous continuons à exprimer notre gratitude à Dieu qui nous a fait expérimenter ce que le prophète Isaïe nous avait annoncé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Téléspectatrices, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, il faut que nous préciser, dans un moment, on a parlé là, il y a une coupure d'électricité dans le niveau cathédrale Saint-Charles-Borromée, qui la cause, il y a une interruption dans l'homélie des circonstances. Monseigneur Yves-Marie Péan, évêque à Gonaïves, très certainement, et technicien de l'église là, Sabine Jean-Étienne, a pu prendre les dispositions qui s'imposent pour permettre que, d'un moment à d'autre, nous capables de permettre téléspectateurs, téléspectateurs, continuer à suivre homélie, circonstances, Monseigneur Yves-Marie Péan. Alors, soit suivez-nous, nous toujours dans la cité de l'indépendance, dans la ville de Gonaïves, tu as gagné un coupure d'électricité, et là, et toute disposition à peu près là, pour faciliter et téléspectatrices, téléspectateurs, ou continuer à suivre homélie, circonstances. Et voilà, c'est rétabli, on a invité à suivre, reste homélie, Monseigneur Yves-Marie Péan. Vous formulez des vœux de santé, de paix, d'amour et de prospérité. Oui, shalom, cœur posé pour nous toutes,
C'est pour faveur à cœur posé, grand maître là, tomber sur nous toutes. M'a imploré sur nous chaque bénédiction, grand maître là. M'a imploré bénédiction, grand maître là, sous président république là, sous première dame là, sous premier ministre là, sous toute responsable dans le pays là, sous membre gouvernement. M'a imploré faveur, grand maître là, sous toute fidèle diocésain nous yo, ak sous tout peuple haïtien. C'est pour bon Dieu, grand maître là, béni nous, bien béni. C'est pour le ban nous force, pour le kembe nous ferme, dans le combat à la vie. C'est pour bon Dieu, grand maître là, béni nous, pour le faire nous joindre cœur posé. C'est vœu ça, m'a adressé à nous toutes, frères Maxem yo, nous toutes, dans toute paroisse nous yo, ak dans toute chapelle nous yo. C'est vœu ça, m'a adressé à tout le monde, dans haut, ak dans bas, Artibonite lan. C'est vœu ça, tout, m'a adressé à tout frère Maxem nous yo, dans pays ya. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur une année de paix, d'amour, de pardon réciproque, une année de dialogue constructif, de consensus, de recherche sincère et patiente, de solutions porteuses d'avenir pour notre pays, une année de progrès social et économique, une année d'amélioration de la qualité de la vie des Haïtiens, une année riche en réconfort, en consolation et en bénédiction de toutes sortes. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie que nous célébrons est une source inépuisable de vie. C'est là que nous venons puiser pour trouver inspiration, énergie, force et courage afin de mener le bon combat de la vie. Je vous invite donc à profiter de cette belle occasion du premier jour de l'an pour implorer la bénédiction de Dieu sur chacun, chacune de nous, sur nos familles, nos parents, nos enfants, sur nos amis, sur ceux et celles qui nous sont chers, sur nos bienfaiteurs et bienfaitrices, et sur la nation tout entière. Nous voulons prier particulièrement pour tous les malades, ceux qui sont cloués sur les lits à l'hôpital, ou les personnes à mobilité réduite, pour ceux et celles qui souffrent physiquement ou moralement, ou les personnes abandonnées et qui se sentent quelque peu découragées. Nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont frappés par des épreuves, et plus particulièrement ceux et celles qui ont été touchés par les calamités, spécialement pour nos frères et sœurs qui portent encore les séquelles du tremblement de terre à Gros-Morne et ses environs, à Port-de-Paix, à Pilate, à Plaisance et d'autres endroits encore. Nous prions également pour les jeunes anxieux et inquiets de leur avenir, pour les chômeurs, les gens qui ont faim et les pauvres de toutes sortes. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui encore, malgré les nombreuses mutations, les turbulences et les aléas de la vie, le 1er janvier représente encore beaucoup pour les Haïtiens. Aussi,
Les familles haïtiennes, pauvres ou riches, tiennent-elles encore à ce grand rendez-vous du premier jour de l'an pour en faire un jour de prière, un jour de méditation, un jour de rencontre familiale, un jour de fête avec les membres de sa famille et avec des amis. Cela est devenu désormais pour nous une tradition de nous déplacer pour aller souhaiter bonne année à nos voisins et voisines, aux anciens, aux parents, aux amis, pour échanger des vœux de paix, d'amour, de santé et de succès. Certains en profitent aussi pour faire des rassemblements de famille, pour échanger et pour prendre également de nouvelles résolutions. Des institutions, des responsables plus haut niveau ont aussi adopté cette bonne habitude pour faire de ce moment un jour d'évaluation, un jour de réflexion en profondeur, pour voir où est-ce qu'on est rendu dans ses responsabilités, où est-ce qu'on est rendu dans les résolutions qu'on avait prises dans le passé, et si vraiment on en avait assuré le suivi et quels en sont les résultats. Cette démarche peut et doit se poursuivre car elle nous permettra de déboucher non seulement sur de nouvelles dispositions, mais aussi de regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, plus de perspectives porteuses de futurs prometteurs, avec plus d'espérance, de détermination et d'audace. En effet, frères et sœurs dans le Christ, comme vous le savez bien, la vie est dynamique. Nous devons découvrir si oui ou non nous avons fait du progrès au niveau des divers aspects de notre vie sociale, politique, économique, culturelle, environnementale, etc. Nous devons découvrir si oui ou non nous avons donné un contenu réel à nos rêves, si nous avons assuré un avenir meilleur et stable à nos progénitures, à nos familles respectives, et si nous avons offert chaque jour davantage d'opportunités à l'ensemble de notre peuple. Frères et sœurs dans le Christ, nous nous trouvons dans ce lieu sacré pour prier, pour célébrer un grand mystère, l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que les chrétiens, que ceux qui se réclament de Dieu, de Jésus, des valeurs fondamentales du royaume, c'est dans l'Eucharistie que nous venons puiser pour devenir des disciples missionnaires remplis de zèle apostolique, enthousiastes, convaincus, convaincants, audacieux et remplis d'amour et de ferveur pour annoncer Jésus-Christ, pain de vie pour un monde nouveau, pour insister à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que l'humanité, notre humanité, la terre entière, ne va nulle part sans Jésus, sans lui. Frères et sœurs dans le Christ, nous admettons tous
que le 1er janvier est un jour de convivialité et de retrouvailles familiales. Les Haïtiens des villes, des plaines ou des montagnes laissent leurs activités habituelles pour faire le déplacement à travers le pays, sillonnant monts et vallées, traversant plaines et rivières. Ils sont contents et satisfaits même de consentir des sacrifices pour prendre ce que nous pouvons appeler un bain familial, pour vivre et partager un moment d'intimité et d'affection avec les membres de leur famille, avec leurs amis, leurs voisins et voisines. Ils sont contents, nous sommes contents de prendre un repas ensemble. En effet, l'expérience révèle que nous portons en nous-mêmes le sens de la famille qui se manifeste de diverses manières en solidarité, en partage et en des gestes de communion et de participation. Nous voulons vivre une vraie fraternité. Voilà pourquoi le pape François, dans un de ses messages pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, a affirmé clairement que la fraternité est le fondement et la route pour la paix. Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en effet le désir d'une vie pleine à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir, des frères à embrasser, des frères à aimer. La fraternité est une dimension essentielle de l'homme qui est un être essentiellement relationnel. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à partager ensemble. C'est le plan d'amour de Dieu sur nous et c'est notre désir le plus cher. La fraternité est une dimension essentielle à nos familles, à nos voisins, nos voisines, à chacun, chacune d'entre nous. La vive conscience d'être en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère. Sans cela, la construction d'une société juste, d'une paix solide et durable devient impossible. Et il faut immédiatement rappeler que la fraternité commence habituellement à s'apprendre au sein même de la famille, surtout grâce au rôle responsable et complémentaire de tous ses membres, en particulier du Père et de la Mère. Frères et sœurs dans le Christ, nous parlons bien de la famille. Et le 1er janvier, pour nous autres Haïtiens, est un jour consacré à la famille. Personne ne peut en effet ignorer ou sous-évaluer le rôle décisif de la famille, cellule de base de la société du point de vue démographique, éthique, pédagogique, économique et politique. La famille a une vocation naturelle à promouvoir la vie. La famille accompagne les personnes dans leur croissance et les incite au développement mutuel par l'entraide réciproque. La famille chrétienne, tout particulièrement, porte en elle-même
le projet embryonnaire de l'éducation des personnes à la mesure de l'amour divin. La famille est un des sujets sociaux indispensables à la réalisation d'une culture de paix. La famille n'est-elle pas le patrimoine le plus précieux de l'humanité et le rempart de la société? Ne reçoit-elle pas la mission de protéger, de défendre et de communiquer l'amour? La famille, pour les gens qui savent bien discerner, la famille, pour les hommes et les femmes sages de notre pays et pourquoi pas du monde entier, la famille, pour nous tous, est une source principale d'où doit émerger une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, favorisant une nouvelle vision de l'homme, du pays, un nouveau comportement appelant de nouvelles structures sociales, politiques et économiques, de nouveaux rapports sociaux plus justes, plus humains, plus évangéliques entre nous les Haïtiens, un nouveau modèle de société respectueuse de la personne humaine et du droit de tous, et plus particulièrement des pauvres, des blessés de la vie et des exclus. Frères et sœurs bien-aimés, durant la 9e rencontre mondiale des familles, convoquée par le pape François à Dublin en Irlande, du 21 au 28 août 2018, à laquelle j'ai participé, avec pour thème l'évangile de la famille, joie pour le monde. Le pape François a souligné combien la famille est le oui du Dieu amour dans une humanité si souvent blessée, maltraitée et dominée par le manque d'amour. C'est seulement à partir de l'amour que la famille peut manifester, diffuser et régénérer l'amour de Dieu dans le monde. Sans l'amour, on ne peut pas vivre comme enfant de Dieu, comme époux, parents et frères. Comme la famille serait meilleure, dit le pape, si chaque jour on vivait les trois mots simples, à savoir « s'il te plaît », merci, pardon, désolé. La famille est l'outil privilégié pour permettre à l'homme de développer son humanité, son caractère proprement humain. Nous vous invitons donc, frères et sœurs dans le Christ, à vous engager de toutes vos forces pour protéger et défendre la famille. Il n'y a pas d'espoir sans famille. Et protéger, défendre la famille, c'est protéger et défendre sa propre famille. C'est-à-dire, c'est protéger et défendre ses propres enfants, ses propres progénitures. Protéger et défendre la famille, c'est protéger et défendre ses propres intérêts. C'est se protéger et se protéger et se défendre soi-même. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, et certainement pour nous tous, haïtiens, haïtiennes, gouvernants et gouvernés, un jour d'évaluation et de réflexion en profondeur, comme l'avions-nous souligné au tout début de notre homélie. En effet, il est important que nous prenions ce jour et d'autres encore au cours de l'année
pour faire une halte, pour nous évaluer et pour réfléchir de façon sérieuse et courageuse. Nous avons à saisir, j'emploie le mot momentum, à saisir ce momentum du 1er janvier pour faire une évaluation d'abord de notre vie familiale, de la vie de nos institutions publiques ou privées, de la vie de la nation, de la marche du pays. Nous avons à nous poser des questions fondamentales, à savoir, nous travaillons. Nous marchons pour aller dans quelle direction porteuse d'avenir et de futur nous dirigeons-nous? Avons-nous vraiment un projet de société qui détermine nos démarches, qui oriente nos actions, qui justifie nos sacrifices et nos souffrances? Avons-nous réellement un grand rêve? Avons-nous réellement une vision large? Sommes-nous vraiment disposés à prendre de nouvelles dispositions pour l'avenir, à nous mettre au travail avec réalisme et détermination pour réaliser des petits pas dans la bonne direction et donner ainsi un contenu réel, palpable, perceptible à nous-mêmes et à tous, et ainsi déboucher sur un nouveau printemps pour notre peuple. Frères et sœurs dans le Christ, la geste des Titans de 1804 avait une portée de taille, une finalité embrassant un grand rêve, un grand projet. En effet, en 1791, un demi-million d'esclaves noirs, injustement arrachés de leur terre, l'Afrique, se révolta, s'unit selon la devise combien interpellante l'union fait la force, pour pouvoir se débattre au milieu de trois grandes puissances européennes. L'histoire nous apprend que ses frères ont combattu militairement et politiquement l'armée française pour pouvoir réaliser ce que nous appelons l'épopée de 1804. Et depuis lors, ce pays si cher à nous tous, Haïti, est devenu une nation. Il a pu créer son propre État, libre et indépendant. Devenu désormais une réalité. Mais la question se pose encore aujourd'hui, pour chaque nation évidemment, mais pour nous d'une façon plus particulière. Qu'en avons-nous donc fait? C'est une question que nous nous posons d'une façon régulière et que nous aurons à poser encore dans le futur, car cette question est pour nous de taille. Les évêques d'Haïti, dans leur récent message de Noël, ont essayé de faire une lecture courageuse, et je dirais aussi douloureuse,
de la situation actuelle. Ce temps, disent-ils, est marqué par de grands maux qui affectent notre pays, dont la liste est connue de tous. La faillite des institutions étatiques, l'escalade de la violence, les gangs armés à la solde de puissants sponsors, la débâcle économique croissante engendrant un appauvrissement intolérable, la corruption généralisée, l'impunité arrogante, la méfiance, le non-respect de la sacralité de la vie et l'atteinte effrontée à la dignité de la personne humaine. À cet effet, comment ne pas dire l'horreur et l'effroi que nous avons éprouvé devant l'état révoltant de certaines victimes mutilées et jetées à l'aventure et au cloaque. La nation n'est-elle pas en train de creuser le goût aujourd'hui encore, nous continuons de générer entre nous des situations de méfiance et d'exclusion qui paralysent notre présent, menacent notre avenir et aliènent nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec le prochain et avec notre environnement. Les luttes encore fratricides pour le pouvoir, le manque de respect de l'autre, des normes et des lois, l'impunité, les critiques négatives et parfois destructives, la dégradation morale et la déliquescence des mœurs, la polarisation politique, l'intolérance grandissante, jusque parfois au mépris de l'autre, le fossé de plus en plus béant entre les nantis et les dépourvus, le marronnage, la méfiance, le manque de dialogue, de communication sérieuse et honnête, pour ne pas dire sincère. Chers frères et sœurs, pourtant tout n'est pas fini. Avec Jésus, le tout dit de Dieu, avec Jésus, la manifestation, l'expression vivante de l'amour de Dieu, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa providence, tout n'est pas fini. Bien au contraire, c'est à peine commencé. Aussi pouvons-nous espérer encore. C'est au bord de ce gouffre que le Fils de Dieu vient encore aujourd'hui nous rejoindre. Il nous tend la main et nous redit avec force d'avoir confiance en lui, confiance en nous-mêmes et confiance les uns dans les autres. Ce climat de confiance alimenté par foi en Jésus, ce climat de confiance est la condition sine qua non de toute velléité de dialogue. Nous aspirons tous, en effet, à ce dialogue que nous appelons de plusieurs façons. Peu importe le nom que nous lui donnons, ce dialogue exige, outre un climat de confiance et de vérité, une attitude d'écoute, de franchise, de sincérité, de dépassement de soi à la recherche du bien supérieur de la nation. C'est sur ce terrain de dialogue vrai et sincère, sur ce terrain de dialogue, je pourrais ajouter
inclusif que l'on doit ramener tous les grands dossiers chers à notre pays. L'Église, notre mère, reconnaît la nécessité du dialogue. Elle le propose à la nation tout entière, sans se proposer elle-même. Et elle s'engage aux côtés du peuple haïtien sur cette voie en vue d'une réalisation plus adéquate du bien commun. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui encore, en ce 1er janvier 2019, nous nous trouvons face à notre responsabilité historique de nous mettre à la tâche de la construction de notre pays, de la reconstruction. Mais nous le savons bien, en parlant de construction, de reconstruction de notre pays, nous avons à prendre conscience qu'il s'agit d'un problème d'hommes. Nous avons à former des hommes. Nous avons à devenir plus hommes, plus humains, plus honnêtes, plus propres, plus cohérents à nous-mêmes et indiquer cette voie à nos enfants, à nos progénitures. Chacun de nous doit apprendre à mieux gérer sa maison, son lacou, ses corridors, ses habitations. Chacun de nous doit apprendre à mieux gérer la chose publique et à travailler pour le bien commun. Chacun de nous, c'est à nous d'apprendre à le faire et personne d'autre n'est invité à le faire à notre place. Cela nous demande de nous ressaisir, de consentir des sacrifices très exigeants, sachant que nous ne ferons jamais rien de trop pour le bien de notre mère patrie que nous aimons tous. À cette fin, chaque fils et fille de ce pays doit exercer ce rôle actif et déterminant. Voilà pourquoi je voudrais, avec les évêques d'Haïti, adresser des invitations, des sollicitations à l'ensemble de nos frères et sœurs gouvernants et gouvernés. Vous, les élus, à tous les échelons de l'État, votre responsabilité en tant que mandaté par le peuple, c'est de tout faire pour arrêter cette dégradation inquiétante d'Haïti. Vous êtes chargé de protéger le peuple et les institutions démocratiques du pays. L'heure, avons-nous dit, parfois paraît grave. Nous attendons que vous agissiez avant qu'il ne soit trop tard. Vous qui êtes investis du pouvoir judiciaire, vous êtes appelés à faire régner le droit et la justice dans un système décrié et réputé corrompu. Nous en appelons à votre impartialité, votre indépendance, votre intégrité et votre courage. Vous qui êtes engagés dans les partis politiques et qui travaillez à la conquête du pouvoir, nous vous rappelons que le pouvoir est un service. Par conséquent, vous êtes appelés à faire taire vos passions et ambitions personnelles afin que ce soit le pays qui gagne toujours. Comme le pape François l'a rappelé, une société politique perdure si elle cherche comme vocation à satisfaire
les besoins communs en stimulant la croissance de tous ses membres, spécialement ceux qui sont en situation de plus grande vulnérabilité ou de risque. Vous, les membres de la société civile, hommes et femmes de bonne volonté, nous vous invitons à aimer sincèrement ce pays qui est nôtre et à le prouver par des actions, par vos actions. Nous attendons que vous prouviez concrètement, de façon palpable et évidente, que vous aimez ce pays. Travaillez honnêtement à son développement. Votre rôle est de contribuer à la transformation de la société. Aussi, vous prions-nous de résister à tout aveuglement, à toute pression, intimidation et manipulation. Fils et filles d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, nous devons le reconnaître. Le venin de la méfiance altère et dénature nos relations. La méfiance, engendrée par la peur, règne entre nous et entrave l'avancement de notre pays. Nous devons tous la combattre. Et ce combat passe par l'éducation de la conscience pour une culture de la vérité, de la loyauté et de la probité, pour un éloignement progressif de cette mentalité du marronnage. Elle nous permet de devenir des citoyens, citoyennes responsables. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui est pour nous un grand jour. Voilà pourquoi nous prenons ce temps pour prier, réfléchir et nous évaluer ensemble de façon humble, mais avec amour. Il est évident que notre pays traverse une crise, je dirais, systémique. Notre pays, en effet, traverse une crise systémique qui affecte tous les secteurs de notre société. Toutefois, loin de nous décourager, loin de sombrer dans le désespoir, nous sommes tous conviés à nous ressaisir, à reprendre espoir, car nous sentons, nous découvrons qu'il y a des efforts qui se font. Il y a des signes d'espoir. Aussi sommes-nous tous invités à continuer à bâtir sur les petites lueurs d'espoir, sur les signes de bonne volonté qui nous permettent de continuer à rêver et qui méritent d'être encouragés et fortifiés. Nous avons à être honnêtes, nous avons à reconnaître les petits signes d'espoir. Nous sommes conviés à apprécier les moindres signes positifs pour les encourager et porter les responsables à quelque niveau qu'ils appartiennent à aller plus loin et à faire davantage. Nous devons tous reconnaître et accepter qu'une nouvelle Haïti est possible. Il y a encore des Haïtiens honnêtes dans notre pays. Il y a encore des Haïtiens qui ont beaucoup de potentialité. Nous devons poursuivre sur ces signes d'espoir et avec la population, nous saluons cette prise de conscience progressive de la part des uns et des autres, que nous ne pouvons pas descendre plus bas et qu'il nous faut nous ressaisir et nous remettre au travail pour construire ensemble la chose commune. Ici, dans notre ville, au Gonaïve, dans notre département, nous vivons un climat beaucoup plus serein qu'avant. Nous pouvons le dire
l'exprimer avec beaucoup de joie. Ce climat est fruit d'une certaine continuité de la part des instances de l'État pour créer un environnement propre, un environnement sûr, un environnement beaucoup plus serein. Ce climat a permis jusqu'à maintenant à la population de reprendre son souffle après avoir connu tant d'épreuves, tant de calamités et de souffrances. Nous saluons ces efforts et nous saluons encore aujourd'hui les efforts d'assainissement progressif de la ville ainsi que des travaux de curage des canaux d'évacuation des eaux et de l'asphaltage de certaines artères de la ville. Et aujourd'hui encore, certaines informations nous font comprendre avec joie et gratitude que ces travaux d'évacuation des eaux, d'asphaltage d'autres artères de la ville qui ont été entamées, loin de s'arrêter en chemin, vont se poursuivre et s'étendre davantage. L'État, nous gardons le ferme espoir que ces travaux à entreprendre permettront à nos frères et sœurs de continuer à connaître des jours encore meilleurs, d'entreprendre des activités dans l'optique de moyennes et petites entreprises et de continuer à respirer et de vivre progressivement une vie normale et digne. Tout cela encore mérite d'être reconnu, salué, encouragé. Nous voulons saisir cette bonne occasion pour encourager les instances de l'État à poursuivre cet effort d'urbanisme, de protection des berges, des bassins versants et d'embellissement de notre ville et de notre département. Ces efforts qui ont été consentis peuvent et doivent être poursuivis avec courage, optimisme et détermination. Nous le répétons encore une fois, nous l'avions répété les années antérieures, notre peuple a besoin de se mettre au travail. Notre peuple a besoin des emplois, des opportunités. Nos jeunes ont besoin de beaucoup plus d'opportunités. Nos chômeurs, nos pères et mères de famille ont besoin d'opportunités. Il faut encourager l'agriculture, la production locale, les petites et moyennes entreprises de production et de transformation. Nous sommes heureux d'apprendre et de réaliser qu'il y a des petits efforts progressifs qui se font ici et là à travers le pays. Et cela nous apporte beaucoup de joie et nous pousse à nous reprendre, à espérer. Il nous faut créer de la richesse, car notre ventre ne doit pas dépendre constamment de l'extérieur. Nous importons trop de marchandises et nous exportons trop peu. C'est grosso modo ce qui est à la base du déséquilibre de la balance commerciale, de l'inflation, du chômage et de la cherté de la vie. Nous vous encourageons à prendre des mesures courageuses, faisables et réalistes pour nous protéger, protéger notre peuple, protéger notre population qui compte tant sur nos responsables de divers niveaux. Chers frères et sœurs, notre rêve, en fin de compte, qui est aussi notre souhait, en ce premier jour de l'an 2019, notre rêve, dis-je, est que tous, nous puissions nous mettre ensemble, gouvernants et gouvernés,
autour d'un projet de société afin de redresser notre cher Haïti et nous mettre progressivement sur les rails du progrès humain, moral et matériel, et cela de façon irréversible. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, chers membres du gouvernement et des grands corps de l'État, frères et sœurs dans le Christ, en ce jour qui a pour nous tous une connotation particulière, je vous salue avec respect et affection et je vous formule mes vœux de santé, de paix, de courage, de prospérité et de persévérance dans l'effort. Je voudrais vous dire ce matin ce que j'ai déjà dit ici, à savoir la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous ne sera pas un cadeau. La nouvelle Haïti dont nous rêvons tous sera le fruit des efforts conjugués de chacun des Haïtiens, de tous indistinctement. Par conséquent, duc in altum, dirait le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, qui nous regarde du ciel. Avançons au large, jetons les filets. Avançons au large, mais un peu plus vite et de façon plus consensuelle. Ne cédons pas au découragement dû aux difficultés, aux incompréhensions de toutes sortes et aux sacrifices à consentir. Courage, ne renonçons pas à l'œuvre entamée. Prends courage, pas faibli. Bon Dieu, mette là avec nous. Nous mettre compter sous lui tout le temps. Lui, c'est un bon Dieu fidèle. Lui, c'est un bon Dieu d'amour, un Dieu provident. Lui, pape, jambes la guénon. Frère Maxime, yo. Dans une belle époque, fête Noël, là, à la fin d'année, moi, t'as remé, dis-nous. Une autre fois encore, que m'aimer nous. M'a voyé une bénédiction spéciale by nous toutes, particulièrement by maladio, pauvio, monde qui blessé dans la vie, monde qui senti abandonné, monde qui a supporté en pile épreuve dans la vie, particulièrement dans l'époque ça. Ma bonne bénédiction spéciale, bye nous toutes qui besoin de réconfort et consolation. Ma salué, ma béni toutes jeunes nous. Ma dit nous, jeunes nous, qui sont fermes, pas la guerre. L'église là, le pays là, comptez sur nous. Frère Maxime, c'est pour Maman Marie, Maman Bon Dieu, Reine de la paix, que nous avons fêté aujourd'hui. C'est pour l'accompagner nous pendant toute l'année. C'est pour le protéger la famille nous et le pays nous. C'est pour l'Esprit Saint qui est lumière nous. Lui-même qui est fidèle interprète du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est pour le réconforter nous. C'est pour le clairer nous, bien clairer. C'est pour le nous force et courage. C'est pour Jésus, petit bon Dieu, qui tourne le monde dans mitan nous. Pour exprimer nous, remer bon Dieu, à cœur sensible, bon Dieu gagne pour nous. C'est pour le montrer nous chemin. C'est pour le clairer nous ferme. Dans le combat la vie.
Et c'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Bénis-nous, bien béni, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu. Thank you.
frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Je les bénirai. En la solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Seigneur, nous te prions pour l'Église universelle et ses pasteurs, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'en témoignant du Christ jusqu'aux confins, jusqu'aux périphéries, leur vie se modèle en Marie, celle en qui le Verbe s'est fait chair. Seigneur, Dieu de miséricorde, écoute nos prières. Seigneur, aide-nous des Consa pa gen esclave encore, mais c'est petit qui gagne. Si c'est petit, c'est héritier grâce à bon Dieu. Dans un jour indépendance là, à la journée mondiale la paix, bon Dieu grand maître, n'a pas la prière pour tout pays sous face terre. Yon façon spéciale, pays d'Haïti à dirigeant lio, pour yon capable accomplir mission yo. Nous avons l'esprit service bien qui l'a pour tout le monde avec un zèle patriotique. Grand maître, sous ce qui est content, n'a pas la prière pour te voir nous. Que le Seigneur te prenne en grâce et qu'il te garde. En ce premier jour de l'an, Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont en difficulté, les malades, les prisonniers, les abandonnés et ceux et celles qui sont victimes de tout acte de violence et d'abus de toutes sortes, afin que leurs conditions de vie sois sans cesse renouvelé. Seigneur, Dieu de la vie, exauce-nous. C'est pour bon Dieu nous en bénis nous. C'est pour toute limite à respecter. Dans nouvelle année ça, bon Dieu grand maître, n'a pas la prière pour nous toutes qui rassemblent matin.
pour nous toujours faire sentir nous ces chrétiens dans parole nous tant qu'on dans action nous. Grand maître, bon Dieu remeyan, écoutez la prière nous yo. Prions encore à toutes nos intentions intimes et personnelles. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Tu es à l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. En ce jour, nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaignent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Grand maître, c'est vous qui saint tout bon. Et tout ça vous fait, gain raison, fait louange pour. C'est vous qui baille la vie. C'est vous qui mettez toute bagaille à part pour. C'est vous qui continuez à rassembler peuple pour lui offrir un cadeau qui est sans défaut. Depuis côté soleil levé, jusqu'au côté le coucher, par pouvoir Jésus-Christ, grand maître, non petit tout, ensemble avec l'Esprit Saint. Tant prie, s'il vous plaît, grand maître. Fais l'Esprit Saint, mettez les cadeaux, ça y va pas pour nous porter au bas pour ça. Yotrene encore, accent, Jésus-Christ, grand maître, non petit tout, qui bat nos lords, fait belle merveille ça. L'ennui, tu t'apprends à trahir Jésus, à libre en paix, les dit au merci, les bénis, les casser le bail partisan, lio. Les dios, prends, mangez là dans l'entour, réellement vrai, ça c'est comme moi, ma baille pour nous.
même j'entends l'œil au fin manger, les prend qu'à l'esclave, les dit ou merci, les bénis, les bail partisans lioli, les dit oh, prends, voilà dans l'eau tout, réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est sans qui poil couler pour nous, et pour tout le monde, pour pardonner le péché. Fais ça pour nous songer moins. Alors, on belle merveille, nous avons fini de comprendre les mais avec la foi, nous croyons. N'a pas songé, petit toi souffrir pour le sauver, non? Et lever bien vivant et les monter dans le ciel là. N'a pas espéré, je la pour retourner. Si vous ça, n'a pas dit au merci. N'a pas offert au Jésus au sacrifice. C'est un cadeau qui sans défaut et qui baille la vie. Tant pris, gardez ça l'église ou à offrir. C'est même petit toi au te sacrifié qui va nous tourner en amis avec vous. Fais l'Esprit Saint emparer tout le monde qui a mangé corps avec son petit toi. Pour y retourner un seul code famille dans Jésus-Christ. Celui qui va faire nos fines bonnettes pour le porter nous-mêmes comme cadeau pour tout le temps. Comme ça, on a mérité à lui héritage ou préparé pour nous choisir. Ensemble avec Marie qui vierge et qui maman bon Dieu. Ensemble avec l'apôtre Jésus-Christ. Ensemble avec tout le monde qui passait matin pour. Ensemble avec Saint-Charles, avec toutes les amis royaux qui dans le ciel, nous sentons toujours appelés à la prière dans le pied pour nous joindre, secours dans la main. Grand-mère, tant prie, souple, pour être cadeau ça, fais-nous tourner bien avec vous, pour que tout le monde pose pour nous joindre délivrance. Fais l'église ou à qui un voyage sous terre toujours pis assiré sous. Fais le gain en confiance, fais le remède. Ensemble avec Pape François, ensemble avec Monseigneur Yves-Marie Payan, ensemble avec tout l'autre Monseigneur, ensemble avec tout Père, ensemble avec tout peuple pour sauver. T'as pris écouter prière famille, cap la prière dans le pied aujourd'hui. Papa qui a un bon cœur, fais tout petit tuyau qui gagne tout côté, vite mettez tête ensemble. Fais tout défunt fraction tuyau. À tout le monde qui t'a fait au plaisir pendant que tu as vu sous terre, rivez côté au commandé. Nous avons espoir. Nous avons joué ensemble avec vous dans la belle théo pour tout le temps. Pas pouvoir Jésus-Christ qui fait nos cadeaux, tout ça qui est bon. Bon Dieu, Papa, nous, ou même qui gagne tout pouvoir et qui fait on avec l'Esprit Saint. C'est par pouvoir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est au nom lui, où joindre toute qualité, louange, accompliment, depuis tout temps et pour tout temps.
comme nous faisons dans l'Esprit Saint, nous capables de dire avec tout cœur, nous, avec toute confiance, nous, belle prière ça, Jésus t'a montré nous. Papa nous, qui est dans le ciel là, c'est pour vous respecter nous, c'est pour vous reconnaître, c'est vous qui voit, c'est pour volonté vous faites sous terre, tant que nous dans le ciel là, ben nous besoin chaque jour, ben nous lit aujourd'hui, pardonnez ça nous fait, tant que nous pardonnez le monde qui fait nous qui choye, pas quitter nous prendre en piège, mais délivrez nous avec ça qui mal. Grand maître, tant pis, s'il vous plaît, délivrez nous avec tout ça qui mal. Fait que nous poser pendant toute la vie nous. Aidez-nous pour j'en gagne bon cœur. Délivrez-nous net à tout péché nous yo. Et protégez-nous pour aucun malheur arrive nous. N'a espéré bien au remettre nous. Sauveur-nous Jésus-Christ qu'a venu. Jésus-Christ grand maître, je me dis à pour tout moi prendre nous bien vivre ensemble. Ça même vient côté ba nous. Tant pour s'il vous plaît, pas garder sur péché nous yo. Gardez plutôt Jean l'église ou à quoi nous. Nous demandons pour nous faire un Jean Vléa ou même qui vivent et qui voient depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est pour grand maître là, prendre nous bien vivre ensemble. C'est pour les toujours avec nous tout le temps. Frem Aksem yo, en nous montrer nous qu'on vive en paix youn ak lòt. Oh,
la chance pour nous tous, Jésus invité, venir manger et manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui a été péché sous terre. Et Dieu en parole seulement, il n'a pas eu la guérison. C'est pourquoi, accent Jésus-Christ, soutenez-nous pour la vie qui pape jamais finir. Hein? Téléspectatrices, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti. Et là, c'est, nous dit, deuxième étape dans le cadre, c'est réuni pour marquer 215e année à l'anniversaire indépendance PIA. Alors, on a précisé, pour nous suivre radio et télévision nationale d'Haïti, c'est réuni ça. Il y en a dans plusieurs étapes. Première étape là, c'est la sous-place d'Amgounaïd le matin. Deuxième, non, c'est ici à la cathédrale Saint-Charles-Borromé, cathédrale Souvenir Gounaïd. Et troisième et dernière étape là, c'est la sous-place d'Amgounaïd là. Le président de la Jovenel Moïse, magistrat Gonaïve Lavalgaine, pour parler attention dans l'occasion fête indépendance pour l'Haïti. Nous autres, au niveau de la RTNH, on a continué à suivre en direct, point par point, étape par étape, tout ça qu'a fait ici à la cité de l'indépendance. Déjà, merci pour la patience, merci pour la compréhension, et merci parce qu'on permet de nous arriver à la caillou. Et il y a des dispositions qui sont à peu près au niveau de la direction technique, de la direction de production, pour capable améliorer la qualité image. Et c'est ça que fait. On va rapidement prendre congé de vous
le temps pour nous faire tout arrangement yo afin que nous capables de vivre sans trop grande difficulté. Dernière étape là, c'est pral sous place d'armes Gonaïve là, côté Jean de souligner là, chef d'État, Jovenel Moïse, magistrat Gonaïve là pour la dernière pour parler attention. L'été sous TNH, l'été sous l'autre station qui a fait relayer télévision dans l'occasion ça. Jean nous dit Léon, direction technique, direction production, a pu faire tout arrangement technique pour capable d'améliorer et porter plus bonne image pour même qu'à suivre télévision nationale d'Haïti, en Haïti ou à l'étranger.